Ok, on va commencer. J'ai rien fait depuis la dernière fois, donc... Donc, hop. Encore des blessures? Vous êtes comme Glory, vous. On se demande comment vous tenez encore debout. Merde. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Vous avez entendu parler de quelque chose d'intéressant, docteur? Je n'ai rien du tout, je regrette. J'essaie juste de faire mon travail. D'accord, on s'en fout. Non, merci. Prévenez-moi si ça change. Alors, je me rappelle plus... Oui, on était arrivé au camp du rail, machin, du rail. Résolution de Theta N quand I approche des valeurs planchées. On avait parlé à Pam. J'avais foutu mon armure ici et puis, bah voilà, on s'était arrêté en fait. Ils sont pas super équipés quand même. Hein. J'ai quoi comme arme par contre? Ça je m'en rappelle plus. Minigun. Ah ouais, j'ai mis une. Merde, apparemment ça marche pas. Je crois pas que je l'ai activé. J'avais un mode pour le minigun. Pour le rendre un peu plus utile en fait. Parce que les dégâts ils sont quand même bien pourris. Oh putain, bouge-toi, Dems. Merci. Quand vous êtes là-haut, partez du principe qu'on... Desdemona. Vous n'avez pas choisi la voie de la facilité. Mais on est avec vous. On a un paquet de synthétiques en jeu en ce moment. Ça complique les choses. Vous venez d'un abri? Vous avez trop de dents pour être un pur produit des terres désolées. Ah, cool. Donc va falloir faire gaffe en fait aux signes qu'on trouve dans dans tout le Commonwealth en fait. Alors un allié, une cache, danger, dead drop, non, dead drop. Je vois pas ce que ça pourrait être. Safe house. Les pointeurs. Quand on fait sortir des synthétiques du Commonwealth, les habitants des terres désolées peuvent être encore plus dangereux que l'Institut. Vous avez... Nano 100 atmosphère, putain. Du rail produit suffisamment d'énergie cinétique pour être mortel. Vous avez vraiment parcouru le chemin de la liberté? Comme ça? Sans personne? C'est qui tu parles? Ah, c'est toi. Ah, il y a la classe tordique comme ça. Ah, balle de baseball. Oui, c'est pour faire des grenades, ça, c'est bien. Pillage. Encore des blessures? Vous êtes comme Glory, vous. On se demande comment vous tenez encore debout. Bon, tu veux pas te pousser, toi?
Non, merci. Très bien. Excusez-moi. Putain, mais... Merci. Contente que vous ayez signé. Ça veut dire que je vais enfin pouvoir me reposer de temps en temps. Bon, bah, je crois qu'on est bon. On va aller voir. Un peu son ordinateur à elle. Accès réversé. L'entité. Accès réversé, entité. Exploitant les nouvelles données. Ok. Bon, allez, on y va. Est-ce qu'on peut la réparer? Je crois pas, parce qu'on a pas assez de bordel. On en a. Vous feriez bien de rester en tête. Votre instinct semble excellent. Ok. Ouvrez les boîtes aux lettres mortes. Porcher les couverts techniques. Bon, on va voir comment ça se passe. Et quand on arrivera près de Diamond City, on ira voir Nick. Je pense. Wow. On a l'impression d'être invincible là-dedans, pas vrai? Par où on sort, par contre? Ça fait plaisir de vous avoir parmi nous. Où on est exactement? Collected 6. Ouh la vache. Trois. Cluster. Sérieux, j'arrive pas à trouver le mot. Ben, ça c'est un peu la honte quand même. C'est bon. Ok. Thank you.
Allez, on est sorti. Un peu long le télé chargement. Alors. C'est quoi ce bruit ? Ouais vache. Quoique non, en fait. Peut-être que le mode il marche qu'on a plus de balles. Par contre c'est le dégât. Les dégâts j'ai cru qu'ils étaient mieux. On va tester. Vous avez entendu ça? Putain, on me tire dessus déjà. Par là, allez-y! On se casse. Quoi ça au fond? Ah je crois que c'est un zombie lumineux, enfin une goule lumineuse plutôt. Ah mon dieu, trouver... La holoband. Mise à jour. L'activité inhabituelle observée a cessé. Un créneau est ouvert pour qu'un poids lourd prenne le contact, mais il faut agir vite. J'ai toujours le colis en ma possession, mais il ne peut pas rester ici plus longtemps. C'est trop dangereux. Terminé. Vous êtes avec une caravane ou avec les pillards? Qui ça? Je ne suis avec personne! Vous êtes à votre compte, hein? D'accord. Venez. Mais défense de sortir une arme à feu. Le marché est ouvert. Si vous avez envie de faire du troc, n'hésitez pas. En cas de besoin, ces fortifications pourraient constituer un excellent point de repli. Vous là, il faut qu'on parle. Bah, je crois que le patron essaie de limiter les... Je vous connais ? Non. Mais moi, j'ai entendu parler de vous. J'ai toujours besoin de gens qui ne reculent pas face au danger. Tant que c'est bien payé, pas de problème. Votre rémunération sera à la hauteur de vos attentes. Je vous le garantis. Au fait, je m'appelle Edward Egan. Vous aurez principalement affaire à moi. Mais mon patron veut vous parler. Il s'appelle Jack Cabot. C'est quelqu'un de très prudent. Il tient toujours à rencontrer personnellement les nouveaux que j'engage. Venez à Cabot House, à Beacon Hill, et demandez Jack. Je vais le prévenir de votre arrivée imminente.
Livraison spéciale. Salut, je m'appelle Meg. Vous venez d'arriver à Bunker Hill ? Pour 10 capsules, je vous fais faire le tour de la ville. Je la connais comme ma poche. Qu'est-ce qu'elle permet de voir, cette visite ? Des tas de trucs. Grâce à ça, vous pourrez prendre l'avantage sur les autres commerçants. Allez quoi, c'est que 10 capsules. Allez, hein. D'accord. Fais-moi visiter. On paie d'abord. Merci. Le marché est à l'arrière, le bar est dans le coin, et les toilettes, c'est de l'autre côté du mur. Salut ! Un problème ? Je peux te tuer, te défoncer la gueule, t'écraser le crâne entre mes mes doigts d'armure. Après tout le temps que j'ai passé sur la route, sauver sa peau en défense inventée, pas vrai ? Bonjour, camarade. Dites-moi, vous avez un compteur GGR ? C'est l'endroit parfait pour dresser un bivouac. Ah. Le mien est en réparation. Vous ? Je m'attendais à quelqu'un de plus féminin. Vous venez de la part de nos amis communs, n'est-ce pas ? C'est vous qui avez besoin d'aide, n'est-ce pas ? En effet. Vous venez de nous rejoindre, n'est-ce pas ? Tout ce que vous devez savoir, c'est que cet endroit est la première étape pour tous nos nouveaux colis. Il est donc vital de respecter les procédures de sécurité et de tenir les délais. Pourquoi tous les colis passent par ici ? Si vous ne connaissez pas la réponse, ce n'est probablement pas à moi de vous la donner. Je suis là pour vous aider. Vous pourriez au moins répondre à ma question. Contentons-nous de parler affaires, d'accord ? Mon colis actuel est en ma possession depuis bien trop longtemps. Je suis censé le livrer non loin, mais la présence des pillards complique grandement les choses. Alors, si vous pouviez... Je dois juste massacrer quelques pillards ? C'est comme si c'était fait. Vous me plaisez déjà ! La livraison doit se faire de nuit. Autrement dit, si vous nous débarrassez des indésirables avant l'aube, nous pourrons nous en charger ce soir. À bientôt. Ok. Ça va, ça a l'air facile. On va juste voir s'ils vendent quelque... Au moins, c'est un boulot honnête. Les affaires vont bon train. S'ils vendent des trucs, puis après on va faire la quête. Lucas. Mes armures ont sauvé bien des gens dans les terres désolées. Ouais, bien sûr. J'ai quelques minutes pour jeter un œil. Avec moi, pas de surprise. Ce que vous voyez, c'est ce que vous achetez. Pour la gauche de champion. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal, ça. À gauche, ça c'est le truc qui ralentit. Et je crois que j'ai une autre partie d'armure qui ralentit aussi, donc je pourrais le changer. Donc on va acheter ça. Il y a eu 5 conseils, les gars. On va prendre ça. Ça c'est calme quand il n'y a pas de musique. Putain. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à vendre aujourd'hui ? Bon dégâts infligés aux membres. Ah. Oh, plastron d'effort spécial.
Il est différent du mien. C'est bizarre. Armure plastron. On va quand même le prendre. Pourquoi, je sais pas vraiment. Putain, 4000, non, ça fait beaucoup quand même, 4000. Cargaison d'or. Ouais. Pas les trucs pour faire des armures ici. Avec tout ce merdier, j'ai presque envie de rejoindre le réseau du rail. Vous pourriez pas essayer de mettre un peu de plomb dans la tête de mon crétin de fils? Ça coquiner avec le réseau du rail, c'est aller au-devant des enfants. Le réseau du rail? Ce sont des défenseurs de la liberté. Ils sont prêts à risquer leur vie pour les synthétiques. Ça veut dire qu'ils affrontent l'Institut. C'est même les seuls à le faire. Et alors? Tu trouves que c'est noble ou je ne sais quelle connerie? Ça fait juste de des crétins. Je refuse que mon fils foute sa vie en l'air en allant s'acoquiner avec ces dingues. C'est toujours bien d'aider les gens. Aider les gens, ça ne me pose aucun problème. Les synthétiques, par contre? Tout ce que je fais, c'est aider des marchands crasseux à devenir aveugles en leur servant ce torboyau infâme. Au moins, le réseau du rail se bat contre l'Institut. Et pourquoi ce serait pas une bonne idée de sauver les synthétiques? Et t'as l'intention de rejoindre la société de préservation des écorcheurs aussi, tant que tu y es? Pourquoi Dance, il a pas aimé? C'est quoi cette merde? J'aimerais bien qu'on me serve, si possible. J'en oublierai presque mes bonnes manières. Si vous voulez un verre, c'est à moi qu'il faut vous adresser. Si c'est un lit qui vous intéresse, allez voir ce crétin là-bas. Ouais. Entre les chefs des caravanes et les pillards, je me demande comment Kessler arrive à garder cette ville à flot. Alors. Du coup, on s'en fout un peu en fait. Ah ah! Faut être en alliance avec eux. Vous ne faites pas partie de ma caravane. Laissez-moi. Il y a vraiment rien pour réparer. Dieu, qu'est-ce que c'est haut. Bingo. Ah. Gagnez 25% de PE quand vous persuadez un homme. Vous avez appris quelque chose d'intéressant. Oh putain. Je suis bloqué comme un con. Ah. Bon, on va se casser. On va aller tuer. Aller tuer les pillards et puis voilà. Oui. Sécuriser le pont du rendez-vous, le point du rendez-vous, ok.
vrai qu'en faisant pas, en faisant ça, pardon, je rends sûrement en fait un peu la chose dure de me suivre. Je donnerai ma vie avec joie pour sauver l'un de mes frères. Quoique. Ah non, ça va, il se téléporte. C'est Pikman qui les a tués. Se mettre en psycho parce que maintenant je suis immunisé contre la dépendance des drogues, donc je crois que le psycho il va y aller quasiment tout le temps. Je vais tout buter, putain. Prends-toi, t'en finirais vite fait. Sérieux? C'est tout? Si ce qu'on m'a dit est vrai, il faut sans doute mieux que je vous en dise le moins possible. Je veux pas vous mettre encore plus en danger. Pourquoi refusez-vous de parler? Je sais pas vraiment. Monsieur Stockton a dit que ça valait mieux pour tout le monde. Je crois pas qu'il mentait. Je voulais vous remercier. Ce monde est intimidant, mais quand je pense qu'il y a des gens comme vous, ça me rassure. Ouais, c'est bon, rangez les violons. Bien sûr. Eh bien, à bientôt. C'est tout? Excusez-moi. Tout a l'air dégagé. Je vous présente H2-22. H2, voici la personne dont je vous ai parlé. On n'est pas dans un salon de thé, Stockton. Vous avez tout à fait raison. Je vais allumer le signal. Et voilà. Bon, je dois y aller. Protégez H2, surtout. Quelqu'un arrivera bientôt. Ah, qu'est-ce qui... On va se faire attaquer, je suis sûr. Yo, man! Du calme. Ne tirez pas! Rafale, c'est ça? J'ai entendu parler de vous. Ah, c'est vous ça. Avez suivi le chemin de la liberté, nettoyé le standard. Content que vous soyez des nôtres. La nuit ne durera pas éternellement. Il faut qu'on y aille. J'ai besoin de quelques instants. Hey, ça va? Un peu secoué, mais sinon je suis en pleine forme. L'autre homme, il m'a dit de ne pas trop parler. Et il a raison, H2. Vous avez besoin d'un vrai nom et d'un nouveau visage. Mais on verra ça plus tard. J'ai d'autres pillards aux fesses.
On va avoir besoin d'un peu plus d'aide. Encore des pillards? Aucun problème. Vous autres du QG, vous êtes pas là pour rigoler. On doit aller au repère Ticonderoga. C'est chez moi là-bas. Beaucoup de synthétiques tout juste libérés logent là le temps qu'on puisse les faire sortir en douce du Commonwealth. Finissons-en. Mais qu'à me suivre. Ouais. Ce mur invisible. Aller ici ou pas? C'est le beau. Mon Signor Plaza. Je vais. Ah, mais c'est là qu'il faut aller. Non. On pourra causer à Ticonderoga. Faut juste qu'on y arrive entier. Oui, bon bah vas-y, bouge-toi, putain. C'est relou. Ah, ça y est. Salut, Gratiel. On y est. Pour vous, ce genre de nuit, c'est la routine, non? J'ai pas signé pour vous servir de babysitter. Désolé de vous en demander plus que prévu, mais c'est notre boulot de veiller sur les synthétiques, non? Si vous avez besoin de bouffe, de munitions, ou même d'un endroit où pioncer quelques heures, venez à Ticonderoga. Ma maison est la vôtre. Mais là... faut que je m'occupe de H2. A plus. Wow, c'est tout?
Défense de la colonie, oui. Ouais, on va voir cette nouvelle ville. Je tiens à dire que sans vous, j'aurais ouvert le feu et réduit cet endroit en cendres depuis longtemps. Bravo pour H2. C'est vrai que là, en fait, je viens juste de calculer, mais on est en train d'aider les synthétiques. Je vous recommande vivement de laisser une partie de cet équipement ici. Hé, hey. Prêt. Et Dance, il est un peu contre, hein. C'est vrai que j'ai pas pensé. Gratte-ciel gère son repère d'une main de maître. Vous êtes du QG, c'est ça? Salut. Les coursiers du réseau du Rhin ne s'ennuient jamais. Ça c'est le mode que j'ai rajouté, c'est vrai. Donc maintenant, en fait, avant on pouvait augmenter l'armure de combat polymère ou revêtement, enfin le matériel de l'armure et le revêtement, en fait, ce qu'on peut ajouter en bonus. Et maintenant, en fait, je peux aussi faire comme quoi c'est une armure légère, médium ou heavy, donc légère, grosse ou légère, moyenne ou grosse, puis j'arrive pas à parler. Et ça va changer, bah déjà les stats ça change bien sûr. Et ça va aussi changer le look de l'armure. Parce qu'en fait, chaque armure a un look différent. Par exemple, là il n'y a pas d'épaulière, rien sur cette armure, sur le plastron je parle. Certaines en fait ont un. Est-ce que peut-être qu'elle est différente elle? C'est là que j'ai acheté. Ah non, c'est le bras que j'ai acheté. Merde, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas grave. Alors, c'est pas grave. Je pensais que j'avais pris le blastron aussi, mais en fait, non, je l'ai pas pris. En tout cas, voilà. Mais c'est complètement au hasard, apparemment. D'avoir des armures qui sont un peu plus... qui ont un look différent, en fait. Donc là, maintenant, on peut les fabriquer nous-mêmes. Donc c'est plutôt cool. On peut détruire le canon de bordé? Non. Ah, ça va, c'est cool, on peut pas le détruire. Ça, c'est bien. Ça. Je sais pas si j'ai envie de mettre ça. C'est pas très beau, en fait. Comme là, la jambe, je crois que c'est une heavy parce qu'elle est bourrée d'armure, quoi. C'est vraiment de la cuisse au pied. On va voir. Bière droite, c'est où, jambe gauche. Ouais, heavy armor, sinon elle aurait pas le même look, en fait. Que ça fait un mode ou pas? Ouais, ça fait un mode. Normalement, le look a changé. Encore merci. Le Commonwealth, c'est dangereux la nuit. Voilà, donc ça, c'est la légère. Il y a juste une plaque, en fait, sur la cuisse. Donc ça, c'est plutôt cool. Comme ça, on peut modifier un peu le look de l'armure, bien sûr. Bien sûr, c'est plus lourd aussi, hein, donc...
Donc vraiment un mode cool quoi. Comme ça, on n'a pas vraiment besoin de tout acheter, tout vérifier parce que c'est plutôt chiant. Et voilà. Les armes basing fait 50% de dégâts critiques supplémentaires. Yeah. C'est des petits mods hein, qui devraient être dans le jeu principal en fait. Franchement, enfin, salut, c'est ce que Gratiel. Je pense, en encore merci. Le Commonwealth, c'est dangereux la nuit. Monsieur Stockton a recommandé de ne rien dire. Mais ça va, on a compris, je te parle pas de toute façon. Là, on se casse. Ticonderoga est l'un des rares endroits où je me sens en sécurité. Alors... Ce qu'on va faire, c'est... On est où exactement? On est là, ouais. J'ai envie de retourner en fait à Diamant. Restons aux choses sérieuses. Mais ça va, on n'a rien fait. Calme-toi. On va retrouvailles. Ça, je sais pas si j'en ai sous. Non, on va pas le mettre. Ok, on va retourner à Diamond City. C'est quoi ça là-bas au fond ? Je crois que c'est des mecs. Je sais pas si on les voit sur la vidéo. Faudrait un putain de sniper en fait. Faudrait que je... Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est bien. C'est pas mal aussi parce que maintenant on voit bien avec les modes de la nuit là, qui rendent la nuit noire et on a besoin de torches pour voir, donc là je crois que il y a un mec en armure parce qu'on voit qu'il a un projecteur là. Ouais, donc c'est quand même beaucoup mieux comme ça je trouve.
éliminé. J'ai du mal à viser maintenant que j'ai le... que j'ai cette aide en fait, je sais pas pourquoi. C'est très bizarre. Il faut vraiment que je m'y habitue. Vous m'avez fait plus. C'est triste que ces gens vivent dans la peur, terrés dans ce vieux stade. Leurs pieds sont entourés de bâtiments qui tiennent toujours debout. Fabriquer quelque chose ? On peut pas vraiment la réparer parce qu'on a rien. Le plus de Diamond City. La seule boutique à être. Nous vendons tout. Steampunk, unique. Comme si on n'avait pas assez de robots comme ça. Voyons ce que vous avez. Ce qui se fait de mieux. Pas mal ça aussi. On dirait qu'il va avoir une tempête de radioactive. Allez, Nikki, je te demande juste ton avis. Ça ferait un sacré papier, non ? C'est mon client, Piper. Tu peux pas t'empêcher de foirer ton nez dans les affaires des autres. Tiens, quand on parle du loup... Bon, voilà. Et sans votre gamin, qu'est-ce qui s'est passé ? Par où vous voulez que je commence ? Quand j'ai découvert que Kellogg travaillait pour l'Institut ? Ou quand il m'a dit que c'est eux qui avaient Sean ? L'Institut ? Oula ! Je suis vraiment désolé. Ça rend les choses légèrement plus compliquées. C'est le moins qu'on puisse dire. Nick a beau être un synthétique, il sait même pas comment accéder à l'Institut. Aucun synthétique ne le sait. Les protocoles de sécurité effacent ces informations de nos mémoires. Il faut que je trouve un moyen. Ça fait plus d'un an que j'enquête sur l'Institut. C'est le croque-mitaine du Commonwealth, craint et détesté par tout le monde. C'est tout à fait ça. Ça lui arrive d'enlever des gens en pleine nuit, ou bien de jeter de vieux synthétiques à la décharge pour nous rappeler qu'il existe. Mais jusqu'ici, il y a une chose que personne n'a jamais découverte. C'est où se trouve l'Institut. Ou comment y accéder. C'est ça. Mais il y a bien quelqu'un qui doit le savoir, pas vrai? Le type qui leur a amené Sean, par exemple. Kellogg. De toute façon, ça ne fait aucune différence, vu qu'il est mort. Ouais,
Le seul type de l'Institut qui vivait à l'extérieur était sûrement pas du genre à se laisser prendre vivant. Donc, un meurtrier kidnappeur se fait éclater la cervelle par un parent vengeur. Ce serait une belle fin si on n'avait pas à résoudre le mystère le plus épais du Commonwealth. Peu importe ce qu'il savait. Si c'était à refaire, je le tuerais à nouveau, sans hésiter. Se fait éclater la cervelle. Hein ? La cervelle. Vous savez quoi ? On n'a peut-être pas besoin de lui vivant, finalement. Qu'est-ce que tu racontes, Nick ? T'as le joint de culasse qui a pété ou quoi ? Il y a un endroit à God Neighbor qu'on appelle l'antre de la mémoire. On peut y revivre les événements du passé aussi clairement que le jour où ils se sont produits. Si quelqu'un peut faire causer un crâne défoncé, c'est bien le docteur Amari. Un vrai cerveau en matière de mémoire. Qui c'est, ce docteur Amari ? Vous lui demanderez quand vous la verrez. On a plus important pour l'instant. J'imagine qu'il va nous falloir un morceau du cerveau de Kellogg. Suffisamment de matière grise à donner à Amari pour voir si ça peut marcher. Non mais Nick, t'es pas sérieux ? C'est répugnant ! Je sais que c'est dégueu, mais on n'a pas le choix. On n'a aucune piste. Le cerveau de ce mercenaire contient peut-être tous les secrets dont on a besoin. Qu'est-ce qu'il nous faut exactement, Nick ? Le cerveau de Kellogg. Rien n'est garanti, mais le docteur Amari pourra peut-être le ranimer un peu et nous montrer ce qu'il savait. En fait, je crois que j'ai déjà quelque chose. Kellogg avait ce truc fixé sur sa tête. Un implant cybernétique ? On a peut-être décroché le jackpot, là. Qu'on se lance dans cette histoire de cerveau ou pas, on va pas tous s'amuser à courir le pays. Alors, qui vous accompagne ? Moi, je dois aller à l'antre de la mémoire, de toute manière, pour faire les présentations avec Amari. Mais si vous voulez y aller ensemble, pas de problème. Merde. Alors, on y va avec Windows Vista ou pas ? Fait chier. Piper, on a déjà... augmenter toute l'affinité, donc bon, on s'en fout un peu du coup. Venez avec moi, Nick. Ok, on y va. Pas la dance. On peut aller au Covenant, ouais. Bon, bah, tout le monde au Covenant alors. Vous en faites pas. On va la retrouver, votre gamin. Encore un peu de temps. Pendant ce temps, je vais faire un peu de recherche. Je serai au journal si vous avez besoin de moi. Franchement... Même j'avais... Les gens bien font des conneries quand ils ont peur. Ça pourrait être la devise de Diamond City. Un journaliste ne devrait jamais croire qu'il a réussi tant que sa vie n'a pas été mise en danger. Je voulais prendre Curie. J'ai très bien réussi dans ce métier. Franchement, parce que j'ai l'impression que ça le pourrait peut-être être écuré. C'est quoi la confrérie de l'acier ? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Officier ? Si vous comptez sortir de l'enceinte du mur, je vous recommande de commencer par vous équiper à Commonwealth. Un petit conseil, ne traitez jamais votre mère de synthétique, sauf si c'en est vraiment une. Vous pouvez me croire sur parole. On va attendre un peu. Le surplus de Diamond City est ouvert. Hey. Voilà, parce que je voudrais acheter des trucs en fait. Salut Arturo. Quand on accorde une grande importance à la sécurité, un flic. Voyons ce que vous avez là. Il y en a. Alors. Bon gars, tire un projet supplémentaire. J'ai envie de l'acheter, celui-là. De toute façon... Ce serait plus ou moins la meilleure arme du jeu, quoi. Après, c'est cher. C'est vrai que c'est cher.
Quoi d'autre? C'est quoi ça? Je sais pas si je la prends ou pas. On va pas le prendre maintenant, allez, oh, ça va. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas testé ça, le libérateur. Protection à vendre, pièce réalisée à la main. Répétez après moi. Cognesse, 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 cognesse. Qui n'a pas sa cognesse? C'est une arme pas mal, mais faites je crois vos courses pas... en toute sécurité. Les synthétiques sont interdits au surplus. Ça me va pas. Drogue et médicaments en vente libre. Encore merci pour la fougère. C'est pas facile de trouver des plantes de ce genre. Bref, vous avez besoin de drogue? Ça va pas avec mon style, là, c'est ça. Salomon. Hey, c'est vous. Voyons ce que vous avez là. J'ai ce qu'il vous faut. Bon, au final, il n'y a rien à acheter. Ce con de Nick. C'est pas le mur sans défense. La meilleure protection qui soit, à mon prix. Seigneur, même le ciel n'est plus sûr. Vous avez vu cette espèce de dirigeable? La confrérie de l'acier? C'est qui ce type? Oh putain. Ça c'est de l'arme. Officier. Une bonne bière et mes pantoufles. C'est tout ce que je demande après ce tour de garde. Hé hey. C'est quoi le plan? Jetez un coup d'œil. Oh putain, cette armure. Si vous avez besoin d'une coupe de cheveux, allez voir John au Super Salon. Au Super Salon. Lisez le journal, monsieur. Faites-moi confiance. Nat. Quand vous lirez notre prochain numéro, vous en croirez pas vos yeux. Attendez de voir. Allez, le chargement, la pute. Bah, tiens, avant qu'on... Merde. Avant qu'on parte, on va être sûr d'être blindé. Parler au docteur Amari, c'est où? On sait qu'il faut aller exactement.
Good neighbor. Bon, bah on va faire tout ça là, ça va, c'est bien. Peut-être qu'on va se déplacer en... en truc. Non, il nous en reste plus que 4, ça fait chier ça. Ah tiens, toi t'as pas des trucs. Cricket. Il y a tellement de flingues et si peu de temps pour les utiliser. Vous allez forcément devoir m'en acheter. Voyons ce que vous avez. Oh, génial. Allons foutre le bordel. Putain de folle, elle. On va faire comme ça. Pourquoi je prends ça? Bah parce que... Parce que pourquoi pas. De bien meilleures chances de survie si vous restez sur les routes. Est-ce que le truc il va se poser ici? Avant qu'on continue, je vais faire juste une petite pause vite fait. Alors 5 minutes. Je reviens.